Eh salut les gars, c'est Nico du Voxel. Ouais, ça s'entend tout de suite, je suis malade, mais j'essaie de lancer une mode. C'est les vidéos de jeux vidéo quand on est malade. Des jeux tranquilles, pas trop violents, comme Mario Picross. Là, je suis sur le tout dernier puzzle du mode, je sais plus, normal ou je sais pas quoi. J'adore ce jeu. C'est un peu Sudoku mélangé avec autre chose. Il y a plein de petites stratégies à mettre en place pour s'en sortir. Alors là, je vous explique vite fait quand même. Là-haut, vous voyez, il me dit 10, ça veut dire que dans cette colonne, il y a 10 cases noires. Ici, il y a une case noire, une case noire et une case 2. Mais on ne sait pas où elles sont. Entre, vous voyez, je peux mettre des petits grabilles qui veulent dire potentiellement qu'il n'y a rien. Quand j'ai bien mis tous les noirs, pop, automatiquement, il y a un dessin de toute façon qui apparaît et le truc s'arrête, me dit ouais, t'as gagné. Donc à l'horizontale, c'est pareil. En combinant les deux, les amis, on arrive à se démerder. Et surtout, il faut mettre en place des stratégies pour déduire. Vous voyez, il y a 15 cases dans la longueur ou dans la hauteur. Ici, j'en ai 12. J'en ai 12 sur les 15. Donc c'est-à-dire que j'ai forcément 3 de vacants à droite ou à gauche. Donc je peux même en rajouter un là. En les mettant ici, je suis sûr de ne pas me tromper. Je ne sais pas exactement où est ce fameux 12, mais je suis sûr que c'est bon. Donc on va se le finir tranquillement. Et puis après, je vais aller me recoucher, même s'il est 14. Voilà, c'est comme ça que ça marche. Donc là, ça devient plus compliqué les déductions. 1, 2, 3. Le 7, il part d'ici jusque là. Et sinon... Donc ces deux-là, c'est sûr. Sachant que, entre bien entendu, pour délimiter 1-1-1, il y a forcément une case de creux entre. Ça, c'est un autre élément important pour pouvoir s'en sortir. Les mecs vendent donc la version Super NES sortie sur l'eShop 8 euros. Tous les jeux Super NES, 8 euros. En version japonaise, il n'est jamais sorti chez nous, il n'a jamais été traduit. Et nous le balance comme ça. Je trouve ça scandaleux, donc j'en ai rien à foutre de faire en émulation, même si c'est illégal. Et même si on a la cartouche, c'est illégal de faire l'émulation, si j'ai bien compris la loi. Bref, Nintendo, allez vous faire foutre. Moi, j'étais prêt à l'acheter, mais pas 8 euros. Alors ça, non. Et mettez au moins les menus en français, parce que quand voulez-vous choisir ce qu'on va faire? Bref, 1.1.1, 2 points, on peut pas trop déduire. Ici, là non plus. Là, je sais au bord que c'est forcément le 2. Je vais pas tout détailler, hein. Je vais juste le faire. Sinon on va jamais s'en sortir. Il y en a qu'un moment, j'ai du mal m'y prendre. Je l'ai fini à la dernière minute, c'était assez stylé d'ailleurs. C'est comme si on décryptait un message en fait, parce que la moindre information, même une petite croix comme ça, on est sûr qu'il n'y a rien ici, il faut la mettre. Ça nous sert absolument. Je vais accélérer si c'est trop long, hein. Rassurez-vous, je sais ce que je fais, le montage, ça va. Ça fait seulement 22 ans que je fais des vidéos et du montage les gars, donc il y a une habitude quelque part, même si au début c'était du montage fait au caméscope. Mais celui-là, c'est obligatoirement un 1. Donc, il n'y a rien ici. Là, on peut pas savoir, on peut pas savoir. Ok, tout en bas, on reprend. Le 7 ne peut pas rentrer là. Donc, il est forcément ici. 1. Je me suis planté. Oh, l'erreur, les gars. Je vois bien l'erreur. Parce que j'ai fait la déduction, effectivement, que c'était bien un 1. Mais dans la foulée, j'ai cru que ça voulait dire que c'était celui du bas. En fait, non, ça voulait dire que c'était un 1, mais que l'autre, il pouvait être en dessous ou pas. Donc, j'ai mis une petite croix tout en bas. Et à cause de cette croix-là, j'ai ensuite déduit qu'à droite, le 7 ne pouvait pas rentrer. Donc j'ai mis les 4 croix alors qu'il n'y avait rien du tout à mettre ici. Ouh! Ouh! Bien, bien fait les moins 2 là. D'ailleurs, j'ai pas précisé, c'est comme ça qu'on peut mourir dans le jeu. Parce que sinon tu mets les cases noires n'importe où, tu peux jamais perdre. Bah si, si tu mets une case noire là où il n'y en a pas, parce que t'as mal déduit, boum, moins 2 minutes, moins 2 minutes. Comme le temps s'égrène tout doucement, si tu perds 2 minutes par 2 minutes, ça peut devenir chaud. Donc on ne s'amuse pas à mettre des points noirs comme ça au hasard. Hein. On les met quand on est sûr. Ah, il me l'avait pas enlevé, ça peut tout changer, attention, là, le jeu n'est pas content, parce que j'ai mal parlé de Nintendo. J'agonise, mais je vais finir le jeu. Le 4, on le voit, le 2 est forcément là. C'est vraiment des informations partout, chaque information permet d'en trouver une autre, c'est comme la compression un peu, du JPEG, ça marche un peu comme ça, hein. Un principe un peu d'algorithme, par exemple. J'ai un 2 et un 4, si je mets mon 2, le 4 rentre pas. Donc le 4 est forcément ici. 4 dans 5, ils sont forcément là. Après, je peux pas savoir exactement, mais ça c'est une certitude. Vous voyez, il y a des informations. On peut noter que des informations sûres, sinon on s'en sort jamais. Le 2, on peut pas savoir. On n'a pas assez de données. Je trouve ça intéressant, en plus du jeu. 1, 1, 2, 1... 4, 1, 4, 2. La personne qui débarque au milieu de la vidéo, au moment où je dis 4, 1, 4, 2, machin, on peut pas savoir, information, vomit. Ou appelle tout de suite Dailymotion YouTube, arrêtez-le, cet individu va attaquer des chiots sûrement, brûler des escargots, il faut l'en empêcher.
Il ne peut rien apporter à l'humanité de correct. Mais j'ai de la fièvre. Quelque part, je peux les baiser comme ça. J'ai vu avec mon avocat, je peux faire ce que je veux aujourd'hui. 3, 5, 1, 2. 3, 1, 2. Ok, et ici, ça doit être celui-là dernier. Boum. Ceci représente quelque chose, on va appuyer pour l'avoir en plus petit. Est-ce qu'on peut reconnaître cet écran anglais? J'ai pas deviné de vache. Backhoe. Ah bah heureusement, Internet est là pour nous expliquer. Bah voilà, on a la réponse. Effectivement, ça ressemble vite fait. Hein. Bien joué les mecs, ils se sont dit. On a 3 pixels, on va essayer de représenter ça dedans. Qui a eu l'idée? Ils étaient en désespoir de cause. C'est le dernier puzzle, j'imagine, c'est pour ça. En tout cas, c'est le dernier de la putain de grille, les gars. J'ai passé des millions d'heures, je crois. Qui donc au cours s'est plié? Oh! Congratulations! Maintenant, plus difficile, Star Course. Non! Je voulais en finir! Si je vais m'arrêter là, on va tous s'arrêter là. Ça m'a débloqué, Star! Est-ce que j'ai vraiment envie d'y aller? Mettez-en moins. Ah, oh, l'enculé, il y en a encore 64. Bon, je me relancerai pas dedans tout de suite, hein. J'oublierai ce jeu, puis un jour je referai parce que j'aime bien. On va se finir, bien évidemment, vous avez envie de voir comme moi, il y a quand même un très beau fond étoilé, donc c'était la version Game Boy, hein, je précise, c'est dégueulasse. En mode Super Game Boy, il y a quelques couleurs, mais ça reste quand même crade. C'est pour ça que je voulais la version Super NES au moins. On peut demander des indices, je le fais sans, faut pas déconner, puisqu'on s'en sort sans, et puis j'ai pas une intelligence particulièrement incroyable, même si j'aime ce genre de problème, et que ça me correspond assez bien. Où va être la difficulté, je me demande, mais voilà, bah écoutez, petite vidéo de mer. On se retrouvera bientôt en forme, j'espère avec Arnaud, si, on a Planet Cube qui va arriver, et puis nos top 2014 aussi, qu'il faut que je monte. Bah ouais, j'ai un long métrage, les gars, à côté des jeux vidéo, je fais un film en long métrage, très long à monter, priorité un peu, Arnaud a du travail, bref, blablabla, on raconte notre vie. Au moins deux vidéos à venir, et il bénomme un jour, voilà. Bisous. Le fait bien le faux tout sautement. J'arrive à faire, je sais pas, à faire un truc. On sent que c'est du vrai, mais c'est faux. J'ai rien du tout, les gars.